Il était tout bouboule et tout mignon. Et j'ai même changé ses couches. Je sais qu'il aime pas quand j'ai dit ça. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui j'ai le plaisir de vous retrouver avec une nouvelle vidéo. Donc ça sera une vidéo avec mon petit frère. C'est bon. Aliou, nous on l'appelle Aliou et ses amis Mokhtar. Pour les intimes. Allez, tu peux te présenter. Bon, là, je m'appelle Aliou, 21 ans. 11 septembre 97, ouais, je suis né le 11 septembre, je sais. À part le sport, le foot, la boxe, la muscu, on fait un d'autre. Hein. On est mort. Bon, bah, on va dire adieu à mes cheveux. S'il y a quelqu'un qui a une tondeuse ou quelque chose, parce que je lui fais pas confiance. Mais si. En fait, je vais m'occuper de ses cheveux, c'est pour ça qu'il dit ça. Donc, à part la muscu, le sport et tout ça, il travaille. Tu vas bien des amis, merde. Ouais, on travaille. À 15 ans d'écart. Donc, quand il est né, j'avais 15 ans. Je sais pas pourquoi. En fait, tout le monde pensait que c'était mon fils. Je me baladais avec partout. Il était tout bouboule et tout mignon. Et j'ai même changé ses couches. Je sais qu'il aime pas quand j'ai dit ça. Là, on va au magasin pour aller chercher les produits. Je vais lui faire ses cheveux, mais Hey, y a personne qui a une tondeuse pour moi ou quoi? Il me fait pas confiance en fait. Tu verras bien. Tu vas être surpris. Donc c'est la première fois que mon frère conduit ma voiture. Voilà. Il y a l'hélicoptère et on a une voiture ça. J'espère qu'on va arriver à bon port. Donc tu es pressé de voir le résultat. À chaque fois que je filme, il y a le soleil. Non, non. Mais t'inquiète pas, c'est pas comme si j'allais te couper les cheveux. C'est juste une expérience. Ce soir, on va faire une dédicace à mes cheveux. Il n'y en aura plus. Boulard Z. Mais si, tu verras, tu vas être beau après. Je vais proposer de payer, il fait trop son fier en fait. Il a une fleur. Là on est chez Tacos. J'ai même pas faim, j'ai pris mon petit déj il y a pas longtemps. Le monsieur a faim. Pour sa vie, hein. J'ai pris un milkshake. T'as pris un sandwich? Ah, moi je prends un tacos, hein. On a les crocs. Moi j'ai pas faim, moi. Quand tu dois tourner avec cette voiture. Donc là, on a acheté tout ce qu'il faut pour faire ces petites bouboules. Je sais pas, des petites locks, je sais pas. L'éponge, la fameuse éponge avec les produits et tout. On verra bien si ça marche parce que je l'ai jamais fait. Ce sera la première fois. On verra. Donc là, on va passer au. Chose sérieuse, donc on va s'occuper de ses cheveux, on va faire le shampoing et parce que monsieur il est pressé, hein. Il me dit qu'il a pas que ça à foutre, donc on a des entraînements, on travaille, ouais. On a une déjà j'ai galéré pour qu'on fasse la vidéo ensemble, donc chef d'entreprise, voilà quoi, on n'a pas trop le temps pour arrête de te la raconter, donc voilà c'est parti. Sinon, vous pouvez me joindre au 06. Nous allons faire un petit tuto comment faire des boules. Donc là, on a utilisé ces shampoings. Donc, ça s'appelle Let Dread. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça. Qu'est-ce que ça apporte? Voilà. L'anglais, c'est dur. Hein? L'anglais, c'est dur. Et là, on va utiliser le spray. En fait, c'est pour fixer. Je vais vaporiser, ensuite utiliser l'éponge. C'est pour les locks, pareil. Vous voyez, c'est la même marque. Thank you.
tu sais que j'ai arrêté de maquiller la cervelle. Ça c'est bien ça, enfin. Vous avez compris, ça sert à rien, c'était moi le plus clair de la famille. Donc on va utiliser la fameuse éponge. Twist. Attends, je vais enlever le prix. C'est une éponge qui nous a coûté 10 euros quand même. Tu prends honte. Tu prends honte. Ça t'a coûté 10 euros. Merci. Merci. Et après, je pense que. Tu fais le dessert. J'ai un crâne. Là, c'est parti pour 2 heures. Ah, c'est bien. Ça marche bien. Eh ben. Il faut aimer après. Mais ça marche super bien. Je sais pas qui a inventé ça, mais. Bah, le boulot Z aussi, ça marche bien. T'inquiète pas. Mais après. Non, c'est beau, là, j'aime bien. Ouais. Après, bien. Le truc, c'est que si t'aimes pas après, t'as juste à brosser tes cheveux. Ouais, je sais. Donc, heureuse qu'ils m'ont pas fait un défrisage. Bah, non, j'aurais pas proposé un défrisage. Parce que je sais que. Boulot Z. Ah, ça fait bien, voilà. Ça tue. A 10 euros, alhamdoulilah, c'est bien. Ah, c'est que pour en haut, c'est pas pour le côté. Bah, sur le côté aussi, tu peux le faire. Même quoi tu veux. C'est bien ça. C'est cool. Bon, bah, on se donne un rendez-vous tous les vendredis. Si tu veux. Ok, là. Aller chercher les filles après. J'y vais vraiment exprès. Il va surtout partout sur moi, ouais. Eh, regarde là, ça fait de tout petit et tout. C'est bien. J'aime bien. Toi, t'aimes bien? Ouais, ça passe. Je te dis quoi, là? J'espère que quand tu sortiras d'ici, tu vas pas te brosser les cheveux. Hein. Non. Je reviens demain. Je vais le faire tout le temps. Ça se peut, c'est beau. Hein. Parce que je vois pas, là. Abonnez-vous. Commentez cette coupe. Dites-moi si elle va bien, si elle va pas bien. Attention, dans tout le cas, je finis en boule à Z. Boule à Z, ça ne va pas. Ouais, ah, je sais. Il faut mon petit trait, tu vois. Ah, j'aime trop, moi. J'aime trop. Ça fait trop beau. T'aimes ou pas? Ouais, ça passe bien. Ouais. Ça fait bizarre. Ça fait bizarre? Ouais, parce que toute notre vie, on nous a saoulés avec les noirs et les crépus, et d'un coup, on se met dans ça, quoi. Non, là, ça fait grave. Un peu petit trait, tu vois, ça fait boum, tu vois. Le petit trait, c'est. Un but à la 90e minute, tu vois. Ah, c'est bon, c'est bon. Je te dois combien? 0. Approche-toi, mon beau. Comment on va me tailler au quartier? Ça fait grave, hein? Personne ne va tailler. Non, ça fait bien. C'est trop mignon. Voilà, ça fait bien. Merci qui? J'allais dire de ces conneries, voilà. Eh, hey, fais pas des blagues comme ça, quoi, ma mère! Bambado! Les autres, ils ont compris, j'allais dire quoi? Bah, de toute façon, je pense que. Il y a pas mal de personnes qui savent que. Enfin, je sais pas. Que mon deuxième prénom, c'est Bambado. Enfin, ouais. Mon premier prénom. Ma famille m'appelle Bambado. Merci. Et. Un droit de ma famille, c'est Aissata. Bambado, c'est moins facile à prononcer et je trouve pas ça beau en fait. Bambado. Bambado. Bon bah si demain elle se retrouve morte parce que ma mère l'aurait tué parce qu'elle a clash ma mère là. C'est ma mère qui m'a appelé comme ça, Bambado. Non, franchement ça fait bien, Bambado. Et mon père m'a appelé Aissata. Donc Bambado c'est bien parce que c'est pas courant en fait. Tout le monde s'appelle pas Bambado.
et par ma nièce. Ça a été du rapide. Hein. T'as vu? Comme quoi les hommes, vous êtes tranquilles. Ce sera tout pour nous. J'espère que vous avez bien aimé la vidéo. Donc, n'hésitez pas à laisser vos commentaires, me dire ce que vous en pensez. Nous dire ce que vous en pensez. Et voilà. Et laissez plein de pouces bleus. Et surtout, abonnez-vous à ma chaîne pour plus de vidéos. Et cliquez sur la cloche. Vous savez déjà, vous avez l'habitude. Et surtout, mon numéro, c'est 06. Tu débloques là ton numéro. Donc, dites-moi si vous voulez une autre vidéo avec mon frère. Si ça vous dit. Donc, si oui, n'hésitez pas à nous donner vos idées pour une prochaine vidéo à deux. Commencez voilà. Pas, mes cheveux, c'est important. Prochaine vidéo, ce sera pas sur les cheveux. On verra bien sur quoi. Je me maquille pas, moi. Est-ce que je t'ai dit que j'allais te maquiller? Pas, la prochaine vidéo, je sais pas quoi, je me maquille pas, moi. Mais non. Bon, on vous dit à très bientôt. Je vous aime. Ciao, ciao. Non, tu dis pas au revoir. Salut.